Good morgen, Aleiden, les Yisro aujourd'hui, les Louis Nishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Yaakov ben Aisha, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Rachel, Shlomo ben Esther, Erisha bat Haim Nechemia, ainsi que de Fouat, Abraham Mori ben Ruth, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Zvachim, Perek He, Mishnah Gimel, Chatot Hatzibur Vehayachid, Elohen Chatot Hatzibur. Seire Rashe Chodashim Veshel Moadot, Shechidatan Betzafon, Ekibul Daman Bichle Sharet Betzafon, Vedaman Daon Arba Matanot Al Arba Keranot Keetzad, Alav Kevesh Ufana La Sovev, Uva Lo Le Keren Deromit Mizrachit, Mizrachit Tzfonit Tzfonit Maravit Maravit Deromit, Sheare Adam Haya Shofech Al Yesod Deromi, Venechalin Lifnim Mina Kelaim, Le Zichre Kehuna. Alors là, on va commencer à en devenir beaucoup plus, à découvrir davantage le Mizbeach. Pour rappel, on a bien introduit dans le cours précédent comment était présentée la cour du Hazara, d'accord ? On avait ici, on entrait dans le Beit HaMikdash, pour rappel, c'est une vue d'en haut, une vue d'avion, où il y avait là-bas, vous voyez le Mizbeach, il y avait sur le Mizbeach, il y avait le Tapouar, il y avait un bûcher, il y avait même parfois jusqu'à 4 et 5 bûchers qui brûlaient, selon les besoins du jour. Et là, c'est la rampe par laquelle on monte, qui faisait 32 amas, ça s'appelle le Kevesh. Le Mizbeach, à titre indicatif, il faisait l'équivalent total de 32 amas sur 32 amas, 16 mètres sur 16 mètres, avec une hauteur de 10 mètres. Ok ? Lorsque l'on parle que l'on doit égorger un corban, Batsafon, ça implique... Prenez ici la moitié de la Hazara, toute cette partie nord. La partie nord, concrètement, c'était ici, il y avait, je ne les ai pas dessinés, mais il y avait ce qu'on appelait les Tabaot. C'est un endroit où on fixait des sortes de, comment dire, des anneaux dans lesquels on fixait les animaux pour pouvoir les abattre sans qu'ils se mettent à bouger, bien sûr. D'accord ? Ça, c'était pour le général, ce qu'on a déjà découvert depuis le début du Pérec. On avait expliqué. Maintenant, j'ai le deuxième dessin. Cette fois-ci, c'est la coupe transversale du Mizbeach. Non, ce n'est pas la peine. C'est une photo de côté, tout simplement. Regardez, on a les Kohanim qui vous font des... Ah ouais, on avait dit qu'on est ici plutôt. Je vais lever ça comme ça. Regardez. Je vous explique ça très rapidement. Voilà, c'est bien centré. Ouais, c'est pas mal. Sauf qu'on ne voit plus. C'est la pratique. Ce qu'on va faire, on va le faire comme ça. Alors regardez, vous avez ici le Mizbeach vu de côté. Pour rappel, il y a ici le Yesod. Il y a ensuite, il fait une hauteur de une Hama, qui entre aussi une Hama. D'accord ? C'est-à-dire, au total, on va se retrouver avec 10 Hama de haut. Depuis les Karnot à Mizbeach, les coins du Mizbeach, qu'il y avait sur les quatre coins, il y avait comme ça des petites... D'accord, ça dépassait de une amas sur une amas. Ensuite, on avait trois amotes. Il y avait ici le sauvève, qui était une sorte de balcon sans barrière de sécurité, où le Kohen marchait, justement, lorsqu'il apportait le korban khatat. Je vous le fais tout de suite à l'oral, comme ça, c'est pas compliqué. Vous voyez ici, il monte par ici. Vas-y, je le prends un petit peu en arrière, d'accord. Le Kohen va monter, donc il va monter ici. Je vais revenir d'ailleurs sur celui-là, c'est peut-être plus pratique. Le Kohen, lorsqu'il monte, il faut savoir, en fait, il monte, mais il y avait ici un petit passage au milieu, la rampe, il y avait une parmi la rampe qui montait, il y avait un moyen de bifurquer pour ensuite partir ici. Au lieu de continuer à monter jusqu'au niveau 9 amas de hauteur, ouais, la 10e amas, c'était les coins. Donc au lieu de monter jusqu'au niveau 10 amas, il y avait en fait sur le côté une petite rampe pour ensuite partir sur le Sovev et faire le tour du Mizbeach, à une hauteur donc de 6 amas, d'accord, ça fait l'équivalent de 3 mètres de haut, le Kohen qui marche et qui vous fait un petit coucou. Il a les mains, il tient dans les mains en ce moment un mazrek et un mizrak, quoi, où il y avait dedans un ustensile du Mizbeach, où il y avait dedans du sang. Ce qu'il devait faire, le Kohen, c'est qu'il monte. Il a bifurqué, il a pris ici à droite, et il va prendre avec son doigt, il trempe le doigt dans son doigt droit, pas gauche, son doigt droit, il trempe, il met sur le coin du Mizbeach. Il continue là sur le deuxième coin, il met sur le deuxième coin, il arrive ensuite ici, sur ce coin, et après il continue sur ce coin. Maintenant, regardez les directions. Comme ça, vous allez tout comprendre dans la Mishnah, c'est vraiment très simple.
Puisque là, c'est le Maharav, c'est l'ouest. On parle que en français maintenant. C'est l'ouest, l'est, le nord et le sud. Donc, lorsqu'il a bifurqué, il bifurque, il monte. Chaque fois qu'il tourne, il tourne toujours à droite. D'accord? Même lorsqu'après, c'est une règle. Donc lorsqu'il monte, il prend à droite. Il prend à droite, il arrive ici. Comment il s'appelle ce coin? Il va s'appeler Est-Sud. Donc Sud-Est. D'accord? Drom Mizrach. Mizrachit Dromit. Après il continue, il arrive ici sur cette fois-ci. Il va être Est-Nord. Tzvon Mizrach. Après il continue ensuite. Il continue son tour. Il va arriver cette fois-ci à Nord-Ouest. Il continue, il arrive maintenant dans la partie sud, sud-ouest. D'accord? Bah, si vous avez bien compris, vous ne serez pas à l'ouest, vous. Et la Mishnah nous dit justement, on fait ça dans les mots, maintenant vous allez voir, on a tout, quasiment tout compris pour quasiment, presque toute la Mishnah, si ce n'est la fin. Chatot atzibur v'ayachid. Le chataot, le korban chatat, expiatoire sur une faute sur laquelle on est passible de karet, que l'on doit apporter lorsqu'on est shogeg, un korban chatat. En général, il y a le khatat yachid que l'individuel apporte. Il y a parfois ce qu'on appelle des khataot tzibur, qui sont au moment des fêtes. Il y a marqué, lorsqu'on lit la paracha de Rosh Chodesh, « Os'ir izim echad khatat » et vous verrez dans tous les chagim, bientôt, Bezrat Hashem sera Shavuot, c'était à Pessah, à Sukkot, vous allez voir là-bas, il y a marqué « Os'ir izim echad khatat » ou « Le khatat », ça dépend de la Torah s'écrit, c'est la même chose, c'est un korban khatat. Donc tout cela, c'est des chataot que l'on ne fait pas entrer le sang à l'intérieur du Echal, mais qu'on le fait sur le Mizbeach Achitson, sur l'autel externe qui était dans la cour externe. Et donc, chatot atzibur vayachid, les chataot publics et les chataot personnels, individuels. La Mishnah tout de suite s'arrête et nous dit attention. Eloen chatot atzibur, quels sont les chataot, les corbanes expiatoires du tzibur, à quelle occasion il faut les apporter? C'est puisque... entre parenthèses, les autres chataot du tzibur qu'on doit porter, c'est ça qu'on évoquait avant, qui étaient les par elem d'avar shem tzibur, et seira vodazara, où le sang devait entrer à l'intérieur du echal. Donc on ne parle pas de cela, alors desquels on parle? Eloen chatot tzibur, tels sont les chataot, les korban expiatoires du public, de l'assemblée. Seire racher chodashim veshel moadot, les boucs que l'on devait apporter à Rosh Chodesh et durant les fêtes. Le fameux Seir, Izim, Echad, Khatat. Alors la Mishnah m'enseigne maintenant, sache que tous ces Khataot, finalement, un mot général pour tous, les Khataot, Korban Khatat expiatoire, Shritatan, Batzafon, il faut les égorger lorsque l'on est dans le Tzafon, dans la partie nord, ici, là où il y avait les Tabot, et pas dans le sud, sinon c'est invalide. Shritatan, Batzafon, Vekibul Daman, Bichlei, Sharet, Batzafon. La réception du sang devait aussi être produite, réalisée, lorsque l'on est au nord. Ouais, vous vous rappelez, Shrita Kabbalah ou la Chazrika? On égorge l'animal et on réceptionne le sang. On doit faire la réception du sang lorsque on est dans le Tzafon. Le Tzafon, entre parenthèses, c'est la direction où se trouve le Tzafun, le Yetzer Hara, les Kochot, les forces du mal. Là-bas, il faut spécialement faire le Korban Khatat pour expier justement ce... par rapport au Averot qu'on a fait à cause de lui. Donc la réception du sang doit être réalisée de Batsaphon. Après, qu'est-ce qu'on fait? Vedaman et leur sang, Taoun Arba Matanot, nécessite 4 dons de sang, 4 pas aspersions en l'occurrence, ça va être juste un don normal, à l'Arba Keranot, sur les 4 coins. Keitzad, comment il va donner le sang dans les 4 coins? Ala Bakevesh, il monte sur le Kevesh par la rampe. Ou Fana la Sauveve, attention, là-bas il y a la petite bifurcation, il est poney la Sauveve. Il tourne là où il y avait le petit Sauveve, la petite rampe comme ça qui nous permettait de rejoindre le Sauveve. Ce que j'ai appelé le petit balcon pour faire le tour, je n'ai pas trouvé de mot plus adéquat, mais en tout cas. Donc il tourne là-bas pour arriver au Sauveve. Et alors qui rencontre? Au Balo, le Keren, Dromit, Mizrachit. Il va donc arriver sur ce coin-là qui s'appelle Dromit Sud-Est, puisque là c'est l'Ouest, ça c'est l'Est, ça c'est le Sud. Donc Dromit Mizrachit. Et ensuite il continue son chemin, il va arriver à la Mizrachit Tzfonit, à l'Est Nord, Nord-Est, Mizrachit Tzfonit.
Et là, quand elle arrive ici, il met de nouveau, il trempe une deuxième fois son doigt, il met sur le coin qui est là, il continue son petit, sa petite promenade, et il arrive maintenant cette fois-ci au, dites-le tout seul, on est au Tsafon Maharav, donc Maharavit, Tsfonit Maharavit, Tsfonit Maharavit, ouais, il y a marqué Misbeach, pas Mizrach, Tsfonit Maharavit, Nord, et Maharav, Nord-Ouest. Après, il continue sa balade et il arrive Maharavit Dromit. Sur la Maharavit, donc là on est sur le côté ouest, Dromit, sud, sud-ouest. Et une fois qu'il a fini, alors là c'est important. Sheare Adam Aya Shofer Chal Yesod Dromi. Les restes du sang devaient être versés sur le Yesod, sur, pour rappel, le socle du Misbéar, mais sur la partie Dromit. Sud, à la différence du korban, des deux korbanot qu'on apprenait, qui étaient les par le Sérach Shalom Kippourim et Parim Anisrafim, Osirim Anisrafim. Les deux, dans les deux premières Mishnayot, on t'a dit de verser sur le socle qui se trouve au Maharav. Et là, on t'a dit de verser sur la partie du socle qui se trouve au sud. La raison, elle est très simple. Prends le chemin le plus court à chaque fois pour verser sur le Misbéar. Donc, tu sors du Oulam, qu'est-ce que tu rencontres devant toi ? Maharav. Donc, Sheyare Adam, Ayashofer Chalesod, Maharavi. Ça, c'est pour les deux premières Mishnayot. Pour lui, il se retrouve ici maintenant, quand il va redescendre. Alors, de nouveau, il avait une rampe de raccourci, en fait, qui faisait, au lieu de partir jusqu'au bout et de revenir, il avait moyen de décourter un petit peu. Il descendait, il se retrouvait ici. Il se retrouvait ici, vers sur le Yesod Adéromi, sur la partie du Yesod qui dépassait ici. D'accord ? C'est clair ? Ensuite, maintenant, cette fois-ci, à la différence avec les deux premiers korbanot, on est arrivé à des korbanot qui sont consommables, comestibles par les kohanim. Où il faut les manger ? Venechalin nifnim minakelaim. Et ils sont mangés dans l'enceinte des klaim. Alors les klaim, initialement, le mot littéralement, je crois que ça veut dire c'est des rideaux. Parce que dans le Mishkan, il y avait des rideaux. Après, quand on a construit le Beit HaMikdash, il n'y avait plus des klaim, il y avait des murs. Mais c'est la même chose. Il doit être mangé dans l'enceinte. Dans l'enceinte du Torkale Chatzer Oel Moed, Shiba Midbar, Bobet Amigdash, Kol, Revach, Shimitor Chesrat Israël. Spécifiquement ici, je n'ai pas trop découpé la. En réalité, toute cette cour-là, il y avait ce qu'on appelait la Ezrat Israël, la Ezrat Konim, peu importe, ce n'est pas le point d'entrer dans trop de détails. Il aura le droit de les consommer dans toute cette enceinte. Il y avait là-bas, sur le côté, il y avait des petites tables, des petites. C'était un peu protégé, c'était pas tout comme ça aéré. Et là-bas, les Kohanim devaient manger ici spécialement. Pour les Kodesh Kodashim qui sont consommables par les Kohanim, ils ne sont mangés que dans l'enceinte de la Hazara spécialement. Et ils ne sortent même pas au-delà des barrières, même pas dans Harabait en fait, à la différence des Kodashim Kalim, on verra, hein, qui pourront être mangés dans tout Yerushalayim. Ok ? Donc, Vene Chalin Lifnim Nakalim. Ils sont mangés dans le périmètre des Klaim. Des rideaux, donc, parce que dans le Mishkan, c'était des klaïm, c'était des rideaux qui délimitaient les limites du Mishkan. Les Zichre Keuna, pour les mâles, avec un accent circonflexe, les hommes des Kohanim, pas les femmes n'avaient pas le droit de manger les Kodesh Kodashim. D'ailleurs, la femme ne rentrait même pas tellement dans la Zara, c'était très rare qu'il y avait une femme qui rentre dans la Zara, c'est pour des cas très particuliers, de la Sota et quelques petits cas particuliers. D'accord ? Donc, ils sont mangés par les mâles, uniquement les hommes. Par contre, quelqu'un qui est invalide pour faire la voda, par exemple, qui lui manque un doigt, il a quand même le droit de manger les korbanot, si je ne me trompe pas. Oui. Bechol ma'achal. Et ils peuvent être mangés de n'importe quelle manière. Alors, chaque fois qu'on va voir l'expression Bechol ma'achal dans le Perek, c'est pour exclure le korban pessah qui devait nécessairement être grillé au feu. Donc, quand je dis Bechol ma'achal, tu les manges comme tu veux, à la sauce que tu veux. T'amènes ta moutarde, il y a même une mitzvah, les moshra, il y a marqué dans la Gemara, de les manger de manière agréable, bonne. Ils amenaient chacun sa moutarde, son ketchup, chacun sa sauce. D'accord ? Donc, bekol ma'achal, de la manière que tu veux. Et les yom valaila adchatzot. Attention, tu es limité à le consommer. Les yom pour la journée où le korban est offert. Et laila, la nuit qui suit, mais adchatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Pour quelle raison ? Parce que Chachamim ont fait un décret de finir de manger
à la moitié de la nuit, de peur qu'on va commencer à trop traîner et on risque ensuite de passer l'aube et transgresser l'interdit de manger le corban le lendemain, qui est un histoire de notar, qui a sur ça un issour karet, c'est un parasha de la semaine dernière pour les Israéliens, la semaine prochaine chez les Français. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. C'est là.